Dans la nature, le phosphate n'existe pratiquement pas à l'état pur. Il est mêlé à de nombreux autres éléments hautement toxiques. S'il n'est pas purifié, ces substances nocives se retrouvent dans les champs. Personne n'est au courant. Quand on dit qu'il y a de l'uranium dans les engrais qu'on met dans les champs, les gens ont du mal à le croire. Les paysans partent du principe que les engrais qu'on leur vend sont propres, qu'ils ne contiennent que les nutriments dont la liste figure sur les emballages. Mais l'étiquetage ne précise pas que l'engrais contient également de l'uranium ou du cadmium. Avec les engrais phosphatés, la quantité d'uranium présente dans les champs a été multipliée par 4. Si on fait le calcul, rien qu'en Allemagne, on arrive à 114 tonnes d'uranium déversées dans les champs chaque année. Ça suffirait à fournir du courant à environ 2 millions de ménages, si seulement il pouvait être utilisé pour cela.